My soul is dying. It seems I'll be needing help, but who can I trust? Goblins? Nah, they're too dumb for this. Wizards? No, their lust for power has poisoned their minds. I think I'll need people. They're hard workers, working day and night, never putting their hands down. They're wise enough to overcome all challenges that come their way. They're strong, and their ability to be team players makes them difficult to defeat. That's who I need. Their attachment to the comfort of their homes makes them the right candidates for my goal. But will I be able to fool them? Play now, and don't forget to bring your friends. Yo les amis, bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à Force of Nature 2 Ghost Keeper. Dans quelques instants, je vais vous faire un tuto complet pour la première mission où vous devez atteindre le mage, le premier mage, justement le premier fantôme, c'est-à-dire un ghost. Et il ressemble étrangement à notre Gandalf des Seigneurs des Anneaux. Donc voilà, j'ai mis 8 heures pour en arriver là, ça a été très très long. Mais je vais tâcher de faire dans ce tuto en raccourci, certainement en 45 minutes ou en 1 heure. Alors, le jeu est noté très très positif sur Steam. Il est sorti officiellement le 27 mai 2021, mais sinon, il a été en Early Access pendant 5 ans. Ils ont travaillé longtemps dessus. Et donc, il est sorti depuis l'année dernière. Hein. Donc, il a été développé par 1.y.std, édité par Creativo. Les amis, un très beau jeu à monde ouvert, un jeu de survie, de loot, craft, fabrication, construction de base, un jeu fantasy. Vous pouvez jouer en solo ou en multijoueur. Si vous voulez jouer en solo, ça va vous rallonger la durée de vie du jeu. Hein. Ça va être très très long parce que vous devez tout farmer vous-même. Alors que si vous jouez en équipe avec vos potes, avec vos poteaux, vous pouvez chacun faire une tâche, récolter chacun à sa manière. Et donc, ça irait beaucoup plus vite. Sinon, le jeu prendrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Vous allez finir peut-être en 300 heures pour finir au total. Voilà, on va sans plus tarder entrer dans le tuto. Je vais vous faire tout de suite. J'ai pris 2 minutes pour la présentation. J'espère que c'est assez complet. Hein. Parce que j'aurais dû vous lire quand même. Un jeu. C'est un jeu d'aventure plein de mystères, de dangers, d'exploration et de magie. Voilà, le jeu combine les genres de survie, bac à sable, action, aventure, RPG, stratégie, gestion de ressources. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Si vous avez connu Valheim ou un autre jeu qui est du même genre et que vous avez aimé ces jeux-là, et ce jeu-là est fait pour vous les amis, c'est vraiment vraiment très relax et à la fois l'aventure est vraiment très très longue à faire et à finir. Donc voilà, je vous invite à l'avoir dans votre bibliothèque Steam s'il vous plaît, d'accord les amis. Pour ma part, je suis conquis, hein, d'accord. On y va. Donc le premier tuto les amis, pour ceux qui ne savent pas comment changer la langue, ça se trouve ici et non pas dans les paramètres. Vous cliquez ici en bas à gauche, vous aurez toutes les langues
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On va dire 14 langues. Voilà les amis. D'accord ? Voilà. Alors c'est parti. On va faire... on va faire une nouvelle partie. Je vais créer une femme. Comme d'habitude. Et je vais lui mettre les cheveux en rose fuchsia. Comme dans ma partie. D'accord ? J'ai fait 8 heures. J'ai réussi entièrement la première mission. Ça a été vraiment très très longue. Voilà. Et je vous conseille pour vous la première partie de activer, de cocher cette chose-là. Inventaire augmenté. Vous aurez 8 cases, 8 emplacements supplémentaires. Ça vaut le coup pour la première fois. Ça vous permet d'arrêter de faire des allers-retours. Voilà, c'est parti. On va renommer mon nom. C'est parti. Voilà, le jeu est lancé les amis, logiquement. Voilà, un petit peu de chargement. Ça va très très vite. Alors, la première des choses, il y a des raccourcis. Il y a des touches de raccourcis qui vous permettent de... on va cliquer là-dessus. Alors, pour bouger... Alors, bizarrement, dans ce jeu, pour se déplacer, c'est un peu... c'est un peu à l'inverse des autres jeux. Vous pouvez ramasser des objets avec left control, c'est-à-dire que vous appuyez sur espace, et là vous voyez tous les objets allumés, c'est pas allumé mais marqué, et là vous appuyez sur control, il ramasse tout à la fois, voilà. Et là tout est dans votre stock qui se trouve ici, là, il a tout ramassé, il y avait 15 pierres sur le sol. Voilà. Alors. Ici, on nous dit de faire quoi ? On nous dit de trouver des objets, trouver un objet tournevis, fabriquer un objet lampe torche, d'accord ? L'objet se trouve ici, normalement. Non ? L'objet se trouve, non, ici. Pardon. Voilà, vous cliquez sur le bouton droit, sur la direction que vous voulez, ou sur la chose que vous voulez, l'objectif que vous voulez. Vous prenez la chose, vous la déposez ici. Vous avez aussi l'autre possibilité de récupérer... vous pouvez aussi faire avec vous appuyez sur Shift et vous appuyez sur la touche bouton de gauche et ça va directement dans votre inventaire. Voilà une chose de faite. Maintenant il faut fabriquer la lampe torche et pour marcher vous ne pouvez pas faire ZQSD, mais vous devez le faire avec la souris de gauche pour la faire bouger, et la souris de droite c'est pour pointer justement sur les bâtiments ou les ateliers ou un objectif à faire quelque chose. Et puis voilà. Et donc là, pour fabriquer cette chose-là, vous devez placer le tournevis de ce côté-là parce que l'outil est demandé, d'accord ? Vous appuyez là-dessus pour fabriquer. Voilà. Quant à elle, voyons voir. Excusez-moi, mais je la préfère. Je la préfère comme ça. Alors, il faut savoir que dans le jeu, les amis... Oh, il y a un bruit dans la maison, donc on va s'en occuper. Je vais prendre mon tournevis, je le récupère et je prends la lampe qui est là, puisque ça a été demandé. Voilà, maintenant on passe à une nouvelle mission. Regardez autour de vous, essayez de le zoom de la caméra. Le zoom de la caméra, c'est... On peut la zoomer comme ça et comme ça, d'accord ? Voilà, c'est fait. Et maintenant, on regarde autour de nous avec la molette de la souris. Vous appuyez et vous pouvez tourner comme ça. Mais vous ne pouvez pas regarder par le haut, les amis. J'ai tout essayé, j'ai pas réussi. Ça ne marche pas. Alors, je vous explique pour les vêtements. Personnellement, j'adore l'avoir. Pour l'instant, c'est 50-50. Même si j'enlève, ça ne pose aucun problème, normalement. Voilà, j'aime bien jouer comme ça. Désolé, mais... C'est tout moi. Voilà, on la joue comme ça pour l'instant jusqu'à ce que on fabrique des vêtements pour elle, d'accord ? Donc, qu'est-ce que je devais faire ? C'est fait. Regardez autour de vous, bah c'est bon. Voilà, faire pivoter, maintenir bouton souris, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Ok, maintenant, on va aller. Ah bah c'est tout, hein. Alors, on va regarder autour de nous. Ici, il faut examiner, puisqu'il y a un raton laveur qui vient comme ça sur nous. Et on nous apprend à utiliser... les fonctions
Alors, il nous demande... On va les lire. Voilà, ça me gêne. Équipé d'un balai et fait fuir le raton laveur, d'accord. Normalement, je devrais pas faire cette mission-là, mais je le fais quand même pour vous. J'aime pas trop faire cette mission parce que ça ressemble pas à un jeu. Et d'autant plus que c'est... Attends, je vais appuyer sur espace pour voir où se cachent les affaires. Non, je crois pas que c'est là. Voilà, casier, boîte à outils, casier. Voilà, le balai se cache dedans. On va la placer ici ou ici, tout simplement. Et voilà, elle va frapper. Vous pouvez la placer normalement en touche 1 aussi, c'est pareil. Vous appuyez sur la touche 1 en raccourci. Et là, elle va fuir. Normalement, elle va fuir. Elle va prendre ses jambes à son cou et elle va aller dans son trou. Et à partir de là, on nous apprend comment... On nous apprend comment fabriquer. On va fabriquer, une fois qu'on aura bloqué cette partie-là, le prologue aura été terminé. C'est une sorte de tutoriel, ça nous apprend comment bouger, comment se déplacer dans le jeu. C'est pas grand-chose, je vais pas vous le lire, ça sert à rien. Trouver les composants pour fabriquer du ciment, fabriquer le ciment, placer sur le mur de construction. Normalement, on n'a pas besoin... Normalement, on n'a pas... Étagère, on prend les éléments ici... On appuie sur Shift, vous appuyez sur le bouton gauche, voilà. Et là, on a tous les éléments, vous pouvez appuyer sur la touche C pour fabriquer justement le ciment. Voilà. On attend un tout petit peu, le ciment est terminé. On récupère le ciment et on va appuyer sur B pour la construction. Construire, il faut se mettre à côté du mur les amis. Ce qu'il nous demande c'est de reboucher ce truc là. Et on va le reboucher, par contre on ne doit pas se mettre devant parce que ça gêne. Et ça c'est dans toute la partie du jeu. Lorsque vous voulez construire et que sa présence est sur le terrain, et ben vous ne pouvez pas construire. Donc il faut vous bien vous placer, juste vous écarter un tout petit peu, voilà. Ça doit être un... Examiner. Une boule de cristal, lol. Voilà, là on est téléporté dans un autre monde. C'est pourquoi le jeu s'appelle un monde fantasy, hein. Il y a de la magie, il y a de la téléportation, on ne sait pas pourquoi, alors qu'elle est de notre monde, elle n'est pas du monde ancien. Nous voici, nous voilà dans cette partie-là. Alors, le premier conseil que je vous donne, les amis, toutes les choses qui sont déjà tombées par terre comme ça, vous devez à tout prix les récupérer. Qu'est-ce qu'il nous dit de faire ? Alors, la liste, il faut fabriquer des outils de base, placer une construction, un feu, placer une construction table d'apprentissage pour évoluer, d'accord. Dans tout ça, on doit récupérer des pierres, des pioches, des houes, fabriquer une houe, des rondins, récupérer l'argile, la terre, le sable. Dans tout ça, voilà, d'accord. Donc, est-ce que je peux prendre la pomme tout de suite? Voilà, je l'ai pris avec la touche contrôle. Normalement, vous arrivez à côté, au lieu de cliquer là-dessus, vous faites contrôle. Et là, ça vous récupère tout, absolument tout, tout ce qui se trouve et tout ce qui est... Ah, j'ai pas de marquage, c'est bizarre ça. J'aimerais bien qu'il y ait des marquages quand même parce que... Ah, il n'y a pas de marquage, ça m'arrange pas ça. Ah non, hein. Alors, vous avez aussi la possibilité d'appuyer sur espace. Et ça apparaît tout. Et au lieu de cliquer là-dessus un par un, vous pouvez appuyer aussi sur la touche Alt. Voilà. Et là, vous ramassez tout. Mais par contre... ouais, ça m'arrange pas du tout cette méthode. Pourquoi je l'ai fait comme ça, là? Paramètres. Gameplay. Oui, ça c'est bien. Équilibré.
Ouais, bah ça change pas grand chose. Mais par contre, j'avais le marquage en anglais et là j'ai pas le marquage en français. C'est bizarre quand même. Bon, bah c'est pas grave. On va devoir faire avec. Hein. Ça m'arrange pas trop parce que normalement quand c'est marqué, c'est beaucoup mieux. Voilà. On ramasse avec la touche. Voilà. Là, on récupère. Normalement, vous devriez voir, c'est du lin. Le lin est très très important dans ce jeu, les amis. On ramasse tout. Voilà, hop là. C'est pratique, hein. Voilà, hop là. Voilà, vous appuyez sur CTRL à chaque fois et vous ramassez tout. Là, vous appuyez sur ALT. Ça vous fait récolter et là, vous ramassez tout simplement. Voilà, hop. Voilà, hop. Alors, le coton, on prend aussi les graines de coton. Toutes les graines servent à quelque chose. Alors, ça démarre ici, la première construction, les amis. Ça démarre ici. Nous avons un peu de choses dans nos affaires. Hein. On a 6 pierres. Ok. On va devoir fabriquer. La première des choses qu'on manque, c'est. On a besoin d'une hache et d'une pioche. Parce que. On n'a pas beaucoup de pierres. Et si on n'a pas la hache pour se frayer un chemin ici. Couper les arbres pour passer à travers. Et trouver d'autres ressources de l'autre côté, on risque d'avoir des problèmes. Et la chose là qui est très importante aussi, et ben c'est la pioche. On va la fabriquer immédiatement. Voilà, pioche. Ah, il nous manque du silex. Silex, on n'en a pas. Et il nous manque aussi une corde. La corde, on peut la fabriquer directement ici avec ce qu'on a ramassé, le lin. Voilà, les fibres de lin, voilà. Et là, on peut fabriquer une corde. Mais je vais quand même fabriquer deux cordes. Voilà, là, là, c'est une préétablie. C'est les premiers, les armes et les outils primaires qu'on a là. Il n'y a pas besoin d'avoir un établi pour fabriquer ce genre de choses, hein, d'accord. Voilà, le silex, c'est fait à partir des pierres. Je suis bête. Voilà, donc ça devient, voilà, pour deux morceaux comme ça, ça donne 4 morceaux comme ça, voilà. Et donc là, on va fabriquer en premier la pioche. La pioche que quand on va piocher, ça va nous donner, voilà. Et ici, on va faire une hache. Ça, je vais placer en premier. La hache, je vais placer en deuxième, puisque on peut se battre avec ça. Là où aussi on va la fabriquer. Alors, les amis, la hache fait 8 dégâts, vitesse d'attaque 0.85 et endurance utilisée 1.25. Ici, si on fabrique le gourdin, c'est-à-dire une sorte de batte, ça fait 8 dégâts aussi et la vitesse d'attaque, elle est de 9, donc c'est un peu plus lourd. Endurance utilisée, ça va consommer 1 au lieu de 1.25, mais bon... 2% de plus pour assommer un ennemi. Ça vaut pas le coup de fabriquer ça, les amis. Vous laissez comme ça. En plus, ça demande un couteau. On n'en a pas, donc on ne pourra pas fabriquer. Mais c'est sans intérêt. Moi, je vous dis, c'est sans intérêt. On va fabriquer là où. Et ensuite, un couteau. Ah, il manque une corde. Il manque une corde. Et il manque aussi des cailloux. Donc, on va fabriquer des pierres à partir du silex. Ou du silex à partir des pierres. Voilà. Donc je vais fabriquer. Est-ce que j'ai une corde? Oui, j'ai une corde. Je vais fabriquer un couteau. Et voilà, on a la totale, les amis. Là où je vais la placer là. Et ah mince, j'ai fabriqué deux ou. C'est pas grave. Le couteau, je vais le placer là. Et regardez, les amis, on va pouvoir vous appuyer sur la touche 1, puisque j'ai placé sur la touche 1. Et là, ce sont. Ah mince, c'est des pierres qui sortent. On voit pas du tout, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Voilà. Donc, vous appuyez sur espace. Vous pouvez voir tout ça. Vous appuyez sur CTRL et elle ramasse tout d'un coup. Et là, vous pouvez regarder votre inventaire pour voir s'il y a encore de la place. Comme j'ai pris 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, j'ai pris une ligne supplémentaire. Ça me permet d'avoir beaucoup, beaucoup d'emplacements. Donc je me permets, j'y vais franco, je récupère tout,
Peut-être pas tout, je vais laisser une partie. Il y aura... Voilà, il y aura... à un moment donné, ça va vous demander du copper, c'est-à-dire du cuivre, des minerais de cuivre, mais vous n'en aurez pas parce que... Parce que c'est pas ici du tout. Vous pouvez casser les rochers autant que vous voulez, vous ne trouverez pas. Donc voilà, dans la liste, on a fait déjà pas mal de choses. Maintenant, il faut couper les rondins, trouver de l'argile, la terre et le sable, d'accord? Le sable, ça se trouve ici. Vous prenez là où dans votre main et vous creusez. Voilà, vous appuyez sur la touche espace. Voilà, et là, elle va creuser pour à peu près... Mais par contre, quand elle creuse, elle perd de sa stamina, hein, d'accord? Vous pouvez pas faire éternellement. Vous allez abuser d'elle. Alors le seul moyen, c'est voilà, vous appuyez sur contrôle pour récupérer tout. Je sais pas si j'en ai assez. Le sable, seulement que 10. Pour l'instant, j'ai pas besoin, mais on va essayer de répondre à la demande, d'accord? Je vais je vais récolter du sol, de la terre. Voilà. Ça m'embête qu'il n'y a pas le marquage. Hein. J'ai dû faire une fausse manip. C'est la map. Voilà. Donc là, on a la terre. Vous appuyez, vous maintenez espace. Vous voyez que c'est la terre. Vous appuyez sur contrôle, vous récupérez tout. Et ensuite, on va aller là. On récupère l'argile avec toujours la touche 4. Voilà. On va la laisser faire. Je vais essayer de chercher... ah mince, j'ai pas trouvé ma touche. J'ai pas trouvé ma touche, les amis. C'est embêtant, ça, quand même. Bon, voilà, ça nous fait une certaine quantité, c'est pas beaucoup. Je vais récupérer un peu plus parce qu'on en aura besoin. Voilà, ça devrait suffire. Allez, c'est bon, bien. Voilà, je vais casser des arbres. Vous prenez la hache dans la main, vous tapez et là vous récupérez normalement des branches. Les branches sont tombées mais on les voit pas, mais si vous faites ça... avec la barre espace, vous verrez mieux. Bon, ça fait un peu moins de bordel, mais j'aurais préféré que c'est marqué quand même parce que on peut voir les choses de loin. On peut voir les choses de bien de loin comme il faut. C'est beaucoup plus pratique. Je vais commencer à faire un passage par ici. D'accord? Et logiquement, voilà, là j'ai pris des branches. Il me reste plus que les rondins. Allez, on va couper un arbre. Et là, on aura des rondins. Ah mince, elle n'a plus du tout... elle n'a plus du tout de stamina, c'est dommage. Il va falloir qu'elle mange quelque chose. Normalement, regardez bien les amis. Vous allez placer ici les fruits pour qu'elle puisse manger. Et récupérer sa force et sa stamina. Ici, par exemple, elle prendra 10 secondes pour manger une pomme, mais elle récupère sa santé et son endurance, ainsi que la vitesse d'attaque. Donc la pomme, elle est dans ce jeu, elle est très très importante. Lorsque vous allez en combat, vous devez avoir à tout prix... Vous devez avoir à tout prix des... ça y est, j'ai terminé le tuto. Ça y est, j'ai plus du tout. Là, si je prends ça, j'augmente. J'appuie sur la touche 5. Vous appuyez sur la touche 5. Et d'office, elle va manger. Elle est en train de manger, là. Elle va récupérer. Et si je veux dépenser une pomme, je peux aussi appuyer sur la touche 8. Et là, elle va manger la pomme aussi. Et ça remonte très, très vite. Voilà. Ok, les amis. Allez, on va couper encore un peu de rondin. Le dernier. Voilà, on appuie sur espace. On voit tout. Je récupère tout, j'avance un peu et je récupère encore. Maintenant, j'arrive ici, on a des poulets. Il faut surtout pas tuer les animaux, les amis, parce que les animaux, vous allez pouvoir les tamer dans le futur et les ramener vers vous pour qu'ils puissent vous... pour qu'ils puissent vous nourrir chaque jour. Donc, ne les tuez pas. Attendez d'avoir votre amélioration. Attendez d'avoir votre amélioration, comme ça vous pouvez avoir les animaux. Alors, la construction, il y a un ordre précis pour que vous soyez... pour que vous puissiez avoir
un gain de temps. Alors, on va lire qu'est-ce qu'ils veulent maintenant. Placer une construction de feu. On va la placer au bord de la mer, puisque juste là, là, puisque ici, on est au centre de tout, on est au centre de du sol. On va en avoir régulièrement besoin. Je vais placer directement ici. Donc le feu, vous allez là et il nous faut de la braise. Pour transformer de la braise, vous allez dans, c'est pas ici, c'est notre truc à nous, directement, voilà, ici. Vous appuyez sur le C, donc ça c'est primaire, hein, notre établi primaire, on peut tout faire nous-mêmes. Voilà. Et on enlève ça, on va aller chercher, une fois qu'elle aura fini, elle met dans son stock. Et là, on va fabriquer le feu, puisque on a tout ce qu'il faut. Je vais le poser ici. On peut jamais poser là où on est parce que ça prend de la place. Voilà. Pour l'instant, vous n'avez pas encore Gandalf, c'est-à-dire le mage. Le gosse, il est là. Une fois que vous aurez obtenu son soutien, il viendra tout le temps ici avec vous. Et c'est lui qui va fabriquer et faire des choses, plein de choses à votre place. Donc, le feu est allumé. Le feu ne s'éteint jamais dans ce jeu, j'adore, c'est vraiment un plus. C'est vraiment un plus. À quoi, pomme de terre, fabriquer, voilà, 2. Ça, ça vous donne de l'énergie, les amis, ça vous donne de la force. Oh, oula. Alors, surtout les amis, il ne faut surtout pas... Bon, les autres plantes, ça vous donne des graines, mais la pomme de terre, on la plante directement. Donc, il ne faut jamais, premièrement, jeter par terre parce que ça devient des déchets. Ça devient des déchets et ça va disparaître une fois que ça devient transformé en déchets. Il faut le garder à tout prix, soit dans ce qu'on appelle les baskets. Ici, dans ce jeu-là, ce sont des boîtes de stockage. Ou alors, vous gardez sur vous. Jamais ça transforme en déchets. Mais par contre, si vous jetez par terre, tout ce que vous récoltez et que vous ne ramassez pas, ça reste par terre, même y compris le bois, excepté la pierre. Mais même le bois, ça transforme en déchets. D'accord les amis, surtout, n'oubliez pas. Donc, on a un feu. Qu'est-ce qu'il nous demande par la suite? Il nous faut placer une table d'apprentissage. La table d'apprentissage, elle se trouve... Ah oui, pourquoi elle n'est pas là? Atelier... Pourquoi des fois ça apparaît, des fois ça apparaît pas, je comprends pas. Il n'y a pas un problème d'ordre là. Déjà je vais fabriquer moi-même mes cordes parce qu'on en aura tout le temps besoin. Voilà, et on va aller voir pourquoi je ne trouve pas placer une table d'apprentissage. Bon bah tant pis, on va placer d'abord l'atelier puisque elle est dispo, hein, d'accord. L'atelier, je vais la placer directement. On va fabriquer beaucoup de choses. Donc, ça va être directement ici. Voilà. Voilà. Vous la placez directement à côté, n'importe où, et elle va se mettre automatiquement à travailler. Voilà. Je pense qu'en débloquant l'atelier, on va pouvoir voir. Non ? C'est quoi ce délire ? Ah ouais, elle est là, la table d'apprentissage. En fait, tout ce qui est science et magie, ça vient de là, voilà. Donc là, il nous faut une peau. Cette peau, vous devez aller chasser pour avoir... pour pouvoir faire cette table d'apprentissage. Donc là, pour l'instant, on ne peut pas le faire et je vais vous montrer... Alors ici, on peut fabriquer le four à charbon, mais on va pas le fabriquer tout de suite. Le tannage non plus, c'est pas la peine. Donc on va poser basket, ça veut dire panier en anglais, je savais même pas.
Il faut 25 bâtons pour pouvoir fabriquer. On va le fabriquer ou pas, je sais pas trop. Non, je pense qu'on a assez de place. Regardez, on va se promener, les amis. On va se promener, on va casser cette partie-là. On va passer à travers. Là, c'est la nuit, mais c'est pas grave. Voilà, je ramasse tout. Voilà. On maintient toujours la touche, la barre d'espace. On voit tout. Et là, on ramasse toujours avec la touche de contrôle. Contrôle gauche, les amis. Voilà. Regardez, lorsqu'on va passer de l'autre côté, il y aura beaucoup de choses. Il y aura aussi des animaux. Pour avoir de la peau, vous devez à tout prix chasser j'ai du mal, hein. J'ai vraiment du mal avec ça. Je vois pas du tout les trucs à l'avance. Bon, on va casser ça, c'est pas grave. Des fox, je crois que ça s'appelle des renards en anglais, en français. Voilà. Voilà, c'est bon, on ramasse tout et on se casse d'ici. Normalement, c'est suffisant. On va aller chercher des renards. Il suffit juste de vous promener un peu plus haut. Et vous allez voir, là, c'est le poulet. On va rien faire. Plus tard, on pourra le tamer, le poulet. Ça, c'est pour les plumes. Les oies, voilà, ça y est, on nous attaque. Allez, c'est parti, on y va. 1, 2, 3. Non, lui. Tiens. Voilà, voilà, ça y est. Normalement, on voit pas très bien. La peau, elle est là, voilà. Je ramasse. Il est où le... Il est là. On va le... Ah non, pas lui, pardon. Il est là. Voilà. Ça nous fait deux peaux. Ah, trois peaux, attention. Normalement, elle est capable d'attaquer automatiquement. Voilà. Très... Oh, on a une griffe aussi, regardez. La griffe, elle va nous servir grandement plus tard. Sans la griffe, on peut rien faire. Donc voilà, ça y est, on peut fabriquer maintenant la table de... Enfin, par rapport à la map, je suis où, moi? Vas-y. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas diriger la personne directement avec la map. Il faut toujours... Oh, les moutons, ça donne de la laine, hein, ça, vous le savez. Et ça aussi, c'est pareil, on ne les tue pas, on les garde pour pouvoir les tamer. Il y a aussi des vaches. Les vaches, c'est hyper important. Parce que les vaches, ça donne le lait. Et avec le lait, bah, ça vous remonte votre stamina à une très très grande vitesse. Et voilà, il y a beaucoup de choses dans la nature. Hein. Vous ne mourrez pas de faim, c'est sûr et certain. Par contre, vous pouvez prendre tout votre temps pour jouer. Voilà, nous arrivons, les amis. Donc, on a demandé quoi? On a demandé de fabriquer une table d'apprentissage. Il manque une corde. On va la fabriquer nous-mêmes. On va cliquer là-dessus et là-dessus. Voilà. Et on va se remettre à fabriquer B, la table d'apprentissage. Il manque toujours une corde. Voilà, ça y est. La table d'apprentissage, on va la mettre isolée un peu ailleurs parce qu'on n'en aura pas besoin. C'est que de temps en temps qu'on aura besoin de la table. Donc on va la placer le plus haut possible pour pas nous gêner la route. Voilà, elle va fabriquer et on va terminer cette partie de tutoriel. Voilà. Voilà, donc maintenant ça débloque la poterie, la maçonnerie, l'agriculture, mais pas encore fini. Hein. Il nous faut des choses pour faire la recherche. Par exemple, si je veux l'agriculture et je veux avoir des serres pour planter, quoi, et ben il nous faudra quand même de la poterie puisque il faut qu'on place de l'eau dans les jarres. Regardez, on va le faire ensemble, les amis. On va débloquer la poterie et on va débloquer tout ça en même temps. Même si ça nous demande... Oh my god, 15 pierres, ça nous demande. Allez, c'est parti. Agriculture, maçonnerie, pardon.
Voilà, agriculture, ça nous demande le jar, donc on peut pas. Ça aussi, ça aussi. Bon, bah voilà. Ça, c'est la dernière partie du tutoriel. J'espère que je vais pas prendre trop de temps. Donc, il nous fallait quoi? Il nous fallait... Je vais placer... Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, oh, j'ai mangé. J'ai mangé alors que j'en ai pas besoin, les amis. On peut annuler ou pas? Non, on peut pas annuler. Bah, tant pis. Donc, le tuto nous demande de fabriquer un objet jar et récupérer de l'eau brute, c'est-à-dire de l'eau sale, quoi. Et pour faire ça, les amis, vous allez... je crois pas que c'est ici. Ah si, c'est ici, voilà. Vous allez fabriquer avec l'argile. Vous allez en fabriquer un seul. C'est pas la peine d'en faire plusieurs. On peut encore faire cuire les pommes de terre, mais je vais garder les graines, d'accord. Tant qu'on n'aura pas planté, on ne mange pas tout. De toute façon, ici, tant que je suis ici, je n'ai pas faim. Vous pouvez récolter cette partie, ce truc-là avec la touche contrôle, ou vous pouvez directement cliquer dessus avec le bouton gauche, voilà, de la souris, d'accord. Donc, on va aller chercher de l'eau sale. Vous allez placer le jar. À cet endroit là, c'est pas grave, 7, et vous cliquez sur le bouton droit et là elle va récolter de l'eau. Regardez, je pense qu'elle va le faire pour 18, donc 9 fois à peu près, et le jar peut contenir jusqu'à 40 unités d'eau. Je crois qu'elle va le faire jusqu'à 18 ou 16. Voilà, ce sera 18. Allez, on va l'avancer un peu, 20 même. Normalement c'est bon. Allez, on va arrêter là. Normalement ça devrait aller, ça devrait suffire. Allez, on va aller jusqu'au bout. Voilà. Voilà. Donc ici, il nous demande de améliorer. Pour améliorer, on va se mettre sur la table, bouton droit, sur la table, et on va améliorer l'agriculture puisqu'il nous faut de la terre, des graines. C'est parti. Voilà. Ensuite, l'élevage, il faut de l'eau propre cette fois-ci, l'eau purifiée, on n'en a pas, donc on peut pas le faire. Métallurgie, pour l'instant, on peut pas le faire non plus, forgeron non plus, voilà. Mais ce n'est pas grave, on va fabriquer sans plus tarder la chose qui va nous permettre de filtrer l'eau, justement, c'est le purificateur. Il nous faudra du charbon, et ben voilà, c'est là où intervient le charbon. Il va nous falloir fabriquer le four à charbon et il nous faut de l'argile, 8 argiles, on n'en a pas assez. Et ici, on a besoin de 10 argiles, on n'en a pas assez non plus. Donc, il nous faut un bon paquet. Alors, on va récolter de l'argile à nouveau. Voilà, voilà pourquoi je me suis mis ici, au milieu de tout, parce que c'est pratique. Imaginez-vous, vous aurez fait l'erreur d'aller à l'intérieur des terres. Et ben, ça va bien vous embêter parce que... À chaque instant, vous aurez besoin de récupérer de l'eau pour... voilà, ça y est, vous appuyez sur espace, vous voyez tout. Argile, on récupère tout. Là, je pense que c'est faisable. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Non, poterie, c'est fait. Non, ça, c'est fait. Qu'est-ce que je... Ah oui, voilà. Élevage, il nous manque de l'eau purifiée, donc... Pour purifier l'eau, il nous faut d'abord le four à charbon. On va le poser, le four à charbon. On va le poser là parce qu'on s'en sert pas souvent. Voilà. Ah, là aussi il y a du sol. Il faut savoir qu'à tout moment, vous pouvez déplacer tous les meubles, hein, d'accord. Voilà, à partir de là, on peut fabriquer... pour fabriquer du charbon, il nous faut un rondin et la braise. Et la braise, ça vient du bois. Et pour ça, nous devons fabriquer dans notre établi, en gros, entre guillemets, établi. On va fabriquer nous-mêmes, c'est à nous.
5 braises, hein, j'en fais 5 braises. Et puis silex, il n'y en a pas beaucoup, je vais en fabriquer quelques-uns aussi. Les cordes, on n'en a seulement que une, on va en fabriquer à peu près 5. Voilà, parce que tout ça, on en aura besoin très régulièrement. C'est pas la peine de lésiner là-dessus. Voilà, comme ça, on n'a pas plus besoin de revenir. Ah, mais je crois que je peux bouger en même temps, non? Ah non, décidément. Ah oui, d'accord. Ok, ça c'est parfait. Normalement, j'ai pas besoin de me mettre sur quelque chose pour fabriquer les cornes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, voilà. Donc, on a fini. On a du charbon sur nous. Maintenant, il nous faut fabriquer le purificateur d'eau pour avoir... Ah, du charbon, je n'en ai pas assez. Ah oui, le charbon, il va falloir que je fabrique ici, là. Le charbon. Je vais encore fabriquer le charbon. Voilà. Une fois... Ah, j'ai pas assez de braise. Oh là 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 là. Alors, on recommence. La braise, je fabrique encore et encore et encore et encore et encore. Allez, on va faire 15 braises. Voilà, je vous l'avais dit, hein, le jeu est vraiment très très détente. Il n'y a pas le feu. Au départ, ça nous laisse beaucoup de temps. Les animaux nous attaquent. Mais dès qu'ils voient que nous sommes affaiblis ou quoi, et ben, ils s'enfuient au lieu de nous attaquer jusqu'à la mort. Donc le jeu est vraiment bien programmé. C'est vraiment, vraiment superbe le... Les détails et tout. Ah, j'étais très loin les amis. J'étais dans la forêt. Je me suis battu contre des ours. Une horde de ours, une horde de loups et une horde de gobelins. Ah, c'était chaud hein. C'était chaud. Si j'avais pas préparé toute la nourriture avant de partir, on serait bien mal hein. C'est bon, je peux. Voilà, on a fini. Alors, l'objectif, il nous demande de fabriquer. Donc, maintenant, il nous faut un purificateur d'eau. Et le purificateur d'eau, on va simplement le poser au bord de l'eau. Comme ça, on se casse pas la tête à courir à droite à gauche. Oh, pardon, il me manque du charbon. Ah ouais, il faut encore fabriquer 6 charbons. C'est pas fini. Voilà, 1 et 2. Oh, c'est long. Bah dis donc. Allez. Est-ce que je peux laisser? Je peux si, hein. Ah si, je peux laisser. Alors on va aller là-dessus et on va. Ça je peux pas. Ça je peux pas non plus. Ça il me faut une eau. Une eau propre. Ah bah on est obligé d'attendre. Obligé d'attendre. Voilà. Ça nous donne quoi là? 8, c'est pas assez. Ah bah tiens, en attendant, on va récupérer de l'argile ou je sais plus quoi. Voyons voir. C'est quoi ça? Argile, on en a pas assez. Bah voilà, ça tombe bien. La pierre, il y en a bientôt plus. Il va falloir aussi casser. On récupère tout. On récupère tout. Voilà, c'est bon. Il y en a assez normalement. Alors, est-ce que je peux récupérer mes affaires, s'il vous plaît? Voilà, ça y est, on a la totale. On va fabriquer le purificateur au bord de l'eau. Comme ça, on n'a pas besoin de faire des allers-retours. Voilà, très bien. Et on va la tourner dans quel sens? Je dirais que c'est dans ce sens-là. Comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. La première partie, je savais pas. J'ai construit partout... J'ai construit partout en haut, là-bas. C'est pas très très loin, mais bon.
ça nous oblige à faire tout le temps des allers-retours, alors qu'il suffit juste de la placer directement ici. Voilà, très bien. Donc à partir de là, vous avez de l'eau sale, d'accord, qui est déjà équipée sur vous. Il vous suffit simplement de cliquer sur eau purifiée et là, comme vous possédez déjà l'eau sale, l'eau brute, et ben vous pouvez cliquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va en faire à peu près une vingtaine parce que les cerfs consomment énormément d'eau. Alors, les rangements, pour l'instant, on s'en fout. Je vais... Voilà, le carré de culture. Et une fois de plus, il faut encore de la terre. Mais nous n'en avons pas assez. Donc, on va devoir creuser encore la terre. On va laisser le truc travailler. On va creuser nous-mêmes ici. Voilà. On récupère 15 morceaux de terre. Bah les amis, j'oublie à chaque fois, je fais des vidéos, je dois être le plus mauvais youtubeur de la planète. À chaque fois, j'oublie de vous demander de liker et de vous abonner pour voir la suite. C'est vraiment pas malin de ma part. Donc voilà, n'hésitez pas les amis, si le tuto vous plaît, si ça vous aide, si ça peut vous apporter quelque chose. Ou si vous voulez tout simplement m'apporter un soutien, n'hésitez pas à liker pour faire remonter mes vidéos sur YouTube. Ou alors carrément de vous abonner. Tout simplement pour me soutenir. Voilà, je pense que j'en ai assez. 21, voilà. On y va. Je devais fabriquer quoi déjà? J'ai encore oublié. Un carré. On va tester tout de suite. Ah bah oui, c'est pas ici. Le carré, je vais le placer je ne sais pas où. Je pense que je vais placer à peu près vers ici ou de ce côté-là. Là, il y a le sol. Ça m'arrange pas du tout. Voilà, ça y est. Les problèmes commencent. Les problèmes de gestion commencent. Et ben voilà. Voilà un exemple de déplacement. Je vous la montre tout de suite. Je la place plutôt de ce côté-là. Comme ça, je récupère l'eau directement ici. Et je passe directement au cerf. Ça s'appelle bien des cerfs. Carré de culture, voilà. Carré de culture. On la place directement à côté. Voilà. Un. Et normalement... Deux, il n'y en a pas assez. Ok, c'est pas grave. Alors, il nous demande de construire simplement un carré de culture. Mais on va en avoir à peu près... On va en faire à peu près 6 ou 8. Parce que... on a plusieurs cultures à faire. Mais la plus importante des cultures à faire ici... Enfin, elles sont toutes importantes. Mais celles qu'on a besoin dans l'immédiat pour la première partie du jeu, ce sont du lin. Parce que... Ah, voilà. Ah, il y avait une mise à jour. Je me demande si c'est ça qui a été effacé. On va placer le lin. On a tout ce qu'il faut. Soit 4 eaux sales ou... Ah, c'est pas grave. Voilà. Peu importe. C'est fait. Voilà. Ça va planter... pousser très très vite. D'accord. On va aller sans plus tarder chercher des bâtons. On en a vraiment besoin. Et je prends pas du bois n'importe où les amis. Vous regardez par rapport à la map, vous savez que vous avez besoin de traverser un peu partout. Donc vous prenez toujours un endroit où vous pouvez couper comme ça là, par rapport à la forêt. Vous récupérez à la fois des branches et des rondins, mais à la fois vous frayez directement le chemin. Là je prends cette partie là. Une fois que j'aurai fini, je vais venir ici et je vais aussi faire un tracé comme ça et un autre tracé comme ça. Ça me permet, tout simplement, en cas d'attaque et en cas d'urgence, je peux rentrer directement à ma base au lieu de faire des tours et des contours pas possible. Bah, ça me permet de passer à travers sans contrainte. Voilà, parce que ici, c'est pas trop un problème, mais... Ça reste quand même pratique parce que des fois vous allez chasser ou tamer des animaux et puis... Attendez, hop là, hop là. Voilà, c'est vraiment pas pratique. Voilà, ça y est, je me suis fait un deuxième chemin et je pense que je n'ai pas assez. Donc je vais taper ici, voilà, tout simplement.
La pomme, elle est très importante, les amis. Il faut la ramasser. Si on la ramasse pas, elle va se transformer en déchet. Allez, c'est parti. Hop là. On la vient là. On appuie sur... sur la touche contrôle. Et on continue de casser. Ça nous fait un chemin directement à notre base. Presque plein, c'est pas encore plein. Ne vous inquiétez pas, il y a encore de la place. Là, on a beaucoup de rondins normalement. On en a 15 déjà, c'est pas mal. Là, je pense que j'en ai 18. Ah, 20, même plus. Ouais, c'est bien, c'est bien. Allez, on récupère tout, on casse encore, ça va nous faire un bon chemin pour traverser. Comme ça, quand vous avez besoin de courir, vous voyez par rapport à ça, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Je continue une dernière chose, ici et ici, comme ça on va bien voir clair, on va voir clairement sur... Qu'est-ce qui se passe? Ah, elle n'a plus d'énergie. Si elle n'a plus d'énergie, vous avez le choix de manger ça, et vous avez le manger de ça. La touche 8. Ah, elle peut pas manger. Ah voilà. Des fois, ça croise et elle peut pas manger. Voilà. Alors, il faut savoir, les amis, quand vous aurez la possibilité de fabriquer des vêtements en fourrure grâce au cuir que vous ramassez sur les animaux, il faut les fabriquer parce que ça vous permet d'augmenter la stamina ici. En fonction des choses que vous allez fabriquer, ça va augmenter. Vous aurez toujours un choix. Soit vous augmentez tout le temps la santé, soit vous augmentez un peu la santé et un peu la stamina. Et ça, c'est hyper important. Ça va vous servir. C'est quoi ça? C'est l'eau propre. Je n'ai pas assez de place pour récupérer. Voilà, on continue de planter le lin. Et maintenant qu'on a beaucoup de... maintenant qu'on a beaucoup de bois, on va fabriquer... sans plus tarder, beaucoup de carrés. Et mince, il me manque de la terre. Bon, bah on va chercher de la terre. Allez, j'en pas ici. Et il faut beaucoup de terre et beaucoup de branchages, les amis, parce que... Et il faut aussi de l'énergie, puisque là, on est en train de creuser, ça va descendre. J'ai beaucoup de pommes, je m'en fous, je la mange. C'est du farming, les amis, hein. Pas le choix. On continue. Vous pouvez aussi alterner, les amis, en prenant une partie et ensuite vous allez la laisser se reposer, par exemple, une fois qu'elle est à sec de son stamina. Vous allez la laisser se reposer tout simplement en allant fabriquer la première serre, la deuxième serre, c'est pas la serre, comment on dit déjà? Les carrés de culture, le petit jardin, voilà. On ramasse tout. Ah, je crois qu'il n'y a pas assez de place. On va prendre le maximum. Ah si, alors c'est 40. C'est 40. Voilà, allez, on va s'arrêter là. Je vais fabriquer les jardins. Allez, c'est parti. Go. En voilà un. J'en ai beaucoup, hein. Je peux aller très très loin. 1. 2. Et j'ai pas assez de place. Ah, ça y est, il n'y a plus de terre. Et voilà. Vous voyez là, s'il y avait Gandalf, c'est-à-dire le ghost qui est là, quand vous arrivez à la fin de cette partie de tuto, je crois pas que j'arriverai en une heure. C'est vraiment très long à farmer, il faut tuer beaucoup d'animaux pour avoir beaucoup de cuir. Et bon, bref, quand vous aurez le Gandalf, c'est-à-dire le magicien, il pourra, dès que vous posez quelque chose à construire, c'est lui qui va construire à votre place. Où qu'il soit, il apparaît directement à côté de ça et il travaille pour vous. C'est vraiment extraordinaire. Ah tiens, ça je vais mettre à planter encore du lin. Encore du lin. Au départ, je vais planter 4 lins. Juste en une seule fois. Et après, je vais planter par deux. Voilà. Ok, ça va pousser. Je prends le dernier. Ah, j'ai déjà plus de terre. Ça va vite. Ça va super vite.
Mais on n'a pas le choix parce qu'on en a besoin de beaucoup de cordes. Il faut toujours en fabriquer. D'ailleurs, dans peu de temps, je vais fabriquer une lance. Allez, on continue. Ça y est, là, je suis full. Hein. Je vais devoir fabriquer... comment ça s'appelle? Une basket. C'est pas une basket. Un panier, lol. Voilà, c'est parti. On va poser le quatrième. Normalement, ce n'est pas assez, mais ce n'est pas grave. Aussi, je vais poser un panier ici parce que... Parce que, eh ben, on va fabriquer... parce qu'on va fabriquer des choses. Et que, une fois qu'on récolte, eh ben, on pourra mettre directement dedans. Voilà. Voilà, regardez les amis, quand on en a trop par exemple, on peut ranger, vous appuyez sur le bouton droit de la souris, et là vous pouvez ranger par exemple les griffes, on n'en a pas besoin. La viande, je n'en ai pas besoin parce que pour la faire cuire, la viande, pour faire cuire, il nous faut des casseroles en métal, et pour l'instant on n'en a pas. Et voilà, donc ça je vais ranger pour l'instant ici, je n'en ai pas besoin. Quoi d'autre? Là où en pierre, bah, j'en ai trop. Donc je vais la jeter par terre. Elle va transformer en déchets. Je sais plus, il y a un jeu qui ressemble à ce principe. Je crois que c'est Valheim. Dans Valheim, on peut faire comme ça. Ici, j'ai trop de bois, mais j'en aurais besoin quand même. Donc on va garder ça comme ça. Et on va fabriquer sans plus tarder 6 de sol. Allez, on y va, on récupère encore. Il m'en faut minimum 6 les amis parce que les graines de pommes de terre, eh ben, évidemment on peut en trouver partout, mais j'ai pas envie d'aller chercher, je vais les planter et je vais garder comme graines. Comme ça j'en aurai toujours pour d'avance pour éviter d'aller chercher à droite à gauche. Voilà, on continue. Ah, elle est en train d'épuiser sa stamina. Bon bah tant pis, on va arrêter là. Je vais prendre tout ce qu'elle peut. Voilà, très bien. On y va. On fabrique le dernier. Ou les deux derniers. Ah ben, il n'y en a pas assez. Voilà. Regardez. Normalement, s'il y avait le magicien, il fait tout à notre place. C'est vraiment dommage. Pour l'instant, on ne peut pas. Donc, tiens, je vais me mettre par là. Je vais me mettre par là. Voilà. Elle se met à travailler. Et moi, je récolte en même temps. Voilà. Et voilà, est-ce que je peux un autre? Il manque 7 morceaux de terre. Allez, on va chercher les 7 morceaux et on va manger une pomme par la même occasion. Comme ça, ça fait augmenter la stamina. J'en ai beaucoup à manger et à consommer, c'est pas un problème. Voilà. On y arrive les amis, je crois pas qu'en une heure... Oh my god, ça va trop vite. Et j'ai fait le maximum les amis. Hein. J'ai fait vraiment le maximum, je n'ai pas arrêté une seule seconde. J'ai pas blablaté beaucoup, j'ai blablaté au maximum 3 minutes. Et malgré tout, c'est pas assez. Voilà. Ou alors, ce qu'il faudrait, c'est faire des coupures. Est-ce que j'ai fabriqué le couteau? Ouais, j'ai le couteau, c'est bon. Les cordes, j'en ai seulement que 2. On va les fabriquer aussi. Ça y est, j'en ai beaucoup. Voilà. Ah, j'ai oublié de planter les amis. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Moi j'ai oublié. Ah oui, d'accord, ok. On va aller au fond. Non, pas au fond. On va le faire ici. Ah, on va faire des lins ici. Ah, un problème. Ah, je peux plus. Il nous faut de l'eau purifiée. Et on n'en a pas. Donc, l'eau purifiée normalement. Il y a un bon paquet, voilà, très bien. Je récupère, hop. Normalement j'ai un bon paquet, ça devrait suffire. On va planter ici la même chose, du lin, d'accord. Ensuite on va planter du blé. Là aussi, du blé. Ah, j'ai plus de graines, c'est pas grave, on va planter le coton. Ah, le raisin c'est hyper important aussi.
puisque le raisin nous apporte la stamina qui est là, hein, donc à la place de la pomme, c'est la stamina qui nous donne de l'endurance. Donc il va falloir nous planter, on a deux ici, on va planter, pour l'instant j'en ai 18. Bon bah c'est pas trop grave, je voulais dans ces cas là planter le lin. Voilà, et un dernier, le lin aussi. Voilà, et j'ai plus d'eau. Donc on va se mettre ici et on va fabriquer. Ah, j'ai plus d'eau sale, ça y est, j'ai tout utilisé. On va récupérer, heureusement que je suis au bord de l'eau. Donc je prends 7, la touche 7 les amis, je prends dans la main. Ah, je prends dans la main et je commence à remplir. Et ça va fonctionner. Soit vous le faites par 40, soit vous le faites par 80, à vous de choisir. Enfin, pour l'instant, moi je suis en train de vous faire le tuto, donc tous les 40 je dois m'arrêter. On va essayer de fabriquer un maximum de choses. Je crois pas, hein, j'ai joué en 6 heures, même si j'ai cherché, j'ai mis beaucoup de temps à chercher. Ça va mettre au moins 2 heures pour arriver à la fin du tuto. Donc ça va être compliqué, je sais pas si je vais m'arrêter maintenant. Allez, vas-y. Ah, il n'y a plus. Comment ça, il n'y a plus? Ah, elle n'a plus d'endurance, la pauvre. Eh bah tant pis, on va fabriquer directement. On va poser dedans. Voilà. Et c'est la machine qui va travailler à notre place. On va garder 12 pour nous. Oh, j'en ai encore, là. Ah non. Pardon. Ok, là c'est bon. Ça y est, ça pousse. Ça y est, on peut récolter les amis. Là, on a du lin. Regardez mon stock. J'en ai 49. Si je prends, ça va dépasser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les animaux mangent à la fois le lin, mais à la fois ils mangent aussi des... ça y est, il n'y a plus. On va planter... On va plutôt planter la patate. Voilà, juste pour garder la graine les amis, j'en ai pas trop besoin. Ah, il n'y a plus de graines. Et voilà, vous voyez, voilà, je sais pas comment j'ai fait pour perdre autant, mais c'est pas grave. À partir de maintenant, on récupère la pomme de terre et on replante tout de suite par dessus. Alors ici, je récupère ça, je vais replanter encore du lin et je vais m'arrêter là parce que j'en ai assez. Ouais, dernière. Qu'est-ce que je vais planter maintenant? Du blé, je peux. Du blé, je peux. Allez, c'est parti. Ici, on va planter du raisin. Et voilà, j'ai plus d'eau encore. Ça va trop vite. Dans ce cas-là, je vais planter... Le coton, pour l'instant, il ne me sert à rien. Je vais prendre plutôt du raisin ou alors... du blé, tiens. Allez, on va se concentrer sur le blé et la patate. Et bah voilà, il n'y a plus d'eau encore, ça va trop vite. Alors, dernière fois, le blé, on en aura besoin. Et voilà, il y en a encore plus. Et dernière chose, encore le blé. Et voilà, on regarde l'objectif, il nous demande de cultiver les plantes, les raisins et patates. Donc on est en train de le faire, dans quelques instants, dès qu'on arrive à 100%, ce sera terminé. Ici, qu'est-ce que je peux mettre dedans? J'ai trop, je vais poser dedans. Voilà, les braises, j'en ai plus besoin. On va poser sans plus tarder l'atelier tanneur. Ah, l'atelier tanneur, ça demande un charbon. Donc il nous faudra beaucoup de cordes. Et bien en attendant, on va fabriquer des cordes, hein, tout simplement. Pour ne pas perdre de temps. Voilà, le temps que ça pousse. Ah, ça y est, la patate, elle est prête. On en a 12 patates, les amis. Donc à partir de maintenant, ça va être tout bon.
Ah ça y est, j'ai plus d'eau sale, j'ai que de l'eau propre. Donc là on va pas pouvoir planter logiquement. Zéro eau propre. Est-ce que ça passe? Ça m'étonnerait. 12 patates les amis, vous vous rendez compte? Alors une seule plantation. Le blé. On va prendre le lait pour voir. Le blé. 20. D'accord. Ok, là ça va pas du tout. On va planter plutôt avec de l'eau sale. Est-ce que j'ai assez de... Ouais, j'ai assez de place. C'est parti. Je crois même que ce tuto va durer peut-être 3 heures, 3 épisodes. À moins que je fasse le travail de découpage, de faire un montage vidéo. Mais c'est ça aussi, c'est pareil. Ça va me coûter des heures et des heures, les amis, parce que... je sais pas, je crois que je vais laisser comme ça brut. Alors, c'est bon ou pas? Bah les amis, je rappelle encore, hein, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner pour ceux qui viennent d'arriver sur cette vidéo. Dans quelques instants, je pense que... Eh ben voilà, on va récolter les raisins. Tiens, viens là, viens là, viens là. On va mettre dedans pour avoir de l'eau propre. Ah bah il y en a 12, 11. Cool. Est-ce que j'en mets? Ouais, on va en mettre un peu. Ça va très très vite. Si vous voulez planter, ça va consommer à une vitesse incroyable. Le raisin, il est où? Ah, j'ai pas planté de raisin moi. Non. Pour planter. Oh non! Ah, non, voilà, il faut la placer ici, les amis. Voilà pourquoi j'ai pas réussi. Il faut la placer. Tout ce que vous voulez faire, bah, vous devez placer ici. Si vous vous mettez dans votre poche, ça ne compte pas, les amis. D'accord? Bon, bah, tant pis, hein, on va de rebelote, on va devoir attendre. Dans ce cas-là, en attendant, je vais farmer de la terre et. De la terre et de l'argile et du sable, on en aura besoin un peu plus tard. Alors, on peut fabriquer un arc en grosier, mais je me bats très rarement avec ça parce que regardez les dégâts, c'est complètement pourri. Je préfère les défoncer directement. tiens, allez, on récupère ça. On récupère ça et on va fabriquer une lance parce que la lance elle va nous aider grandement. Elle peut attaquer à distance. La lance, il nous faut... Oh bah il y a tout ce qu'il faut pour fabriquer une lance. C'est parfait. Enfin, ça le couteau j'en ai pas besoin. Normalement voilà la lance c'est aussi 8 dégâts. Et la hache ça donne 8 dégâts aussi mais... La vitesse d'attaque, elle est un peu plus rapide. L'endurance utilisée, c'est un peu moins. C'est moins fatigant aussi. Donc voilà, je récupère. Je la mets là et on va aller chasser. Pour nous amuser un peu. Et avant de partir, je vais ranger un peu. Mais je vais quand même planter. Hein. Je vais planter tout avant de partir. Ici, on a besoin, on a beaucoup de cordes. On va plutôt planter eh ben, des raisins. Parce que les raisins, on en a vraiment besoin beaucoup. Premier raisin, deuxième raisin, les patates aussi, on va faire quand même une, troisième raisin, allez, encore patates, voilà, ça y est, les raisins sont terminés, on récupère aussi le blé, et on va planter encore des raisins, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Voilà, et on récupère le raisin. Voilà, là on a fini le tutoriel de ces parties-là. Je replante des raisins, je pense que oui. Ou du blé, je sais pas. Allez, du raisin, c'est pas grave. On laisse pousser. Étudier l'élevage. Et bah voilà, regardez, on va étudier l'élevage. Comme ça, on pourra... Comme ça, on pourra tamer... alors, l'élevage... Ah mince, l'eau propre. Voilà, ça devrait aller. L'élevage, c'est bon. Tailleur, c'est pas bon.
Pour faire le tailleur, les amis, vous devez d'abord tanner. Donc, il faut ouvrir ça. Et fabriquer le tannage, justement. Et ça demande un pot. Et le pot, pour qu'il soit présent, valide, il faut vous placer dans votre sac à vous. D'accord ? Allez, on va le faire. Le tannage, on va le poser juste à côté. Ici, parce qu'on n'en a pas besoin beaucoup. Ah mince, elle n'était pas à côté, du coup elle a rien fait. Cette partie de terre, on n'en a pas besoin puisque on en a ailleurs, hein. Il y en a partout d'ailleurs. C'est juste que ça prend du temps, vous ne devez pas être pressé. Alors, on a ici, on peut commencer à tanner le cuir. On va tanner, surtout les amis, il y a des fabrications qui demandent à la fois du cuir mais qui demandent à la fois des peaux. Donc essayez de pas trop fabriquer tout en cuir parce que certains bâtiments vont vous demander un morceau par-ci et un morceau par-là. Et ben là vous serez mal, hein, d'accord. Allez, je récupère le morceau de cuir, on va aller là. Il nous demande un morceau de cuir, et ben on va faire le morceau de cuir. Voilà. Donc on a appris pour le tailleur, maintenant on va apprendre pour le... c'est quoi avant ? L'élevage, maintenant on va apprendre le tailleur, c'est parti. Voilà. Ah mince, décidément. Le charbon j'en ai pas besoin, mais je vais quand même le faire. Ah mince. Là, je voulais gagner du temps, mais ça n'a pas marché. Voilà, j'ai étudié tout ça. Ah bah j'ai tout fait ou quoi ? Ah mince. Ah bah voilà. Quelque chose à utiliser la peau brute. Tant pis, c'est pas grave. Ici, on a beaucoup de pommes de terre. J'en ai planté, mais il me reste encore. Donc, on va vérifier. Est-ce que j'ai des patates ? Oui, j'ai des patates. Voilà, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Qu'est-ce que je peux récupérer ici ? Ici. Il reste encore deux. Alors, il nous demande quoi ? Placer une construction de grange. Ouais, super. Construction de grange. Donc on va pouvoir tamer les animaux. Mais avant toute chose, on peut pas faire comme on veut non plus. Il nous faudra des pièges. Une grange. Ok, il nous manque 6 cordes. On fabrique des cordes par notre propre moyen. Voilà, je vous l'avais dit, hein, il aurait fallu fabriquer des cordes à l'avance, le plus vite possible, pendant que pendant qu'elle attend quelque chose ou qu'elle n'a rien à faire. Voilà, dès qu'elle n'a rien à faire, elle se met à travailler. Et normalement, je pense que je n'ai pas d'eau du tout. Et il manque aussi... il manque aussi le jar qui se trouve... Ah non, c'est pas ici. Non plus ici. Ce sera sur le feu. Voilà, on va fabriquer un autre. Et on n'a plus du tout d'argile. Est-ce que j'ai des pommes de terre ? Parce que j'ai un peu abusé là. Ah si, il y en a deux. Il y en a deux, ça c'est quoi ? Ça c'est des raisins. Des raisins. Il y en a 12. On récupère. Et on récupère. Voilà, 41, c'est très bien. Ça convient parfaitement. Je vais planter encore du lin. Que du lin. Bon. Je récupère ça et je mets ici. On va encore farmer de l'eau. Ah mon gosse, mon fantôme là, mon Gandalf. Oh là là, c'est loin, loin, loin. On va aller chasser dans quelques instants, les amis. Je récupère tout ça et on va aller chasser. Je pense que ce qu'ils ont fini de nous demander, j'espère. Hein. Allez, viens ici, ma chérie. On a dit qu'il fallait monter une grange. Et une grange se trouve ici. On a besoin de 10 ou 10 pailles. Soit 10 pailles, soit 10 lins, d'accord. On a tout ce qu'il faut. Allez, c'est parti. Donc, ça s'appelle comment, ça? Une... Ah oui, la ferme. La ferme, je vais la placer où pour isoler bien comme il faut. Je vais la placer là. Bon, pour l'instant c'est provisoire. Je vais la placer là.
Plus tard, je vais la déplacer. Plus tard, je vais déplacer. Comme ça, je peux faire des enclos. Ah oui, on a aussi des skills, les amis. On a des compétences qui se trouvent ici. C'est la dernière chose que je voulais vous montrer. Avant-dernière chose. Ici, vous pouvez améliorer les compétences. Et la première des compétences que je vous conseille au départ, c'est bien l'endurance. Parce que on en a tout en besoin. Pour frapper une horde, on a besoin d'énormément d'endurance. Pour farmer, par exemple, du bois, il nous faut aussi beaucoup d'endurance. Donc, augmenter le plus rapidement possible. Ici, donc, on a ça. La grange convient à tous les animaux. Voilà, c'est parfait. Donc, à partir de maintenant, je vais aller... non, on peut pas tamer tout de suite. Il nous manque encore quelque chose. Combien... Ça nous dit pas combien ça peut contenir, là. Nombre d'emplacements, un seul. Combien à tous les animaux? Ah non. Donc, on va fabriquer maintenant... ce que j'ai besoin... ce que j'ai besoin... Ah, ça m'aide pas en français, les amis. Bon, c'est pas grave. Ah, il manque des cordes et il manque de l'argile. Ok, on va récupérer de l'argile ici. C'est fini. Voilà. Je pense que j'en ai assez. L'argile. Voilà. C'est bon. On a dit quoi? On a dit que étable, il faut des cordes. Allez, des cordes. Une, deux et trois. Ça va super vite. Et l'étable, on va la poser au buif, on va la poser quelque part par là aussi, mais il faut pas empêcher la route. Allez, viens ici. Ah non, mauvais endroit. Oh non. Ah, je suis pas dans le bon sens. Il est où? Attends, je vais la déplacer. Non, je peux pas la déplacer tant que c'est pas fini de construire. Voilà, on la déplace, je sais pas du tout c'est où, où sont les autres. Ah non, c'était vers là. Non. Bon. Eh bien... On va quand même la déplacer dans l'immédiat parce que c'est vraiment moche. Ouais, je vais la placer ici au hasard. J'en ai pas trop besoin. Voilà. Ah mais si, j'ai encore besoin de la terre. C'est pas possible ça. Décidément, c'est trop petit ici. Je suis confiné là. Bon bah c'est pas grave, il y a le sol par là-bas. Allez, très bien. Donc à partir de maintenant, on peut aller prendre tamer les vaches. Et pour tamer, il nous faut des instruments très spéciaux que on va trouver ici, dans l'établi. Ça s'appelle des pièges, les amis. Je peux... Je crois que... Bientôt, je vais pouvoir fabriquer des vêtements. Le tailleur, c'est fait. Ah ouais, je vais me fabriquer des vêtements, les amis. Et pour cela, il me faut le tailleur. On va fabriquer le tailleur. Voilà, atelier de tailleur, c'est parti. Il nous faut encore 10 cordes. Voilà, je vous l'avais dit, hein. C'est très très long, il y a beaucoup de choses à faire. Ça y est, je n'ai plus de ressources là. J'ai la possibilité soit de récupérer, ou soit je récupère ici. Et on va replanter tout de suite derrière. Je vous l'avais dit, hein, il faut une tonne de...
de lin, ça n'en finit jamais. Allez, je vais récupérer ça quand même. Je vais se pousser. Et on va faire du lin. Et là aussi. Pardon. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux poser ici? Du raisin, j'en ai trop. Donc on va poser quand même du raisin. On va garder 50. Voilà. Alors les 10 cordes, c'est fait. Pourquoi j'ai encore deux là? Ou en pierre? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah, il a ramassé. Ah non. Ah bah si, j'en ai deux. Bon, c'est pas grave. J'étais sur le point de fabriquer objet piège. Et bah voilà, comme je vous l'ai dit, maintenant il nous faut des pièges. Et pour des pièges, il nous faut 1, 2 et 3. Vous pouvez rater avec les pièges, vous n'obtiendrez pas à tous les coups. Donc, il va falloir bien vous concentrer les amis avant de lancer. Et vous allez voir, ça va être super marrant. Alors, il nous manque encore des cordes. Je vais devoir aller chercher... c'est où les cordes? L'établi, là. Voilà. Je vais laisser un gros paquet. On va le prendre, parce qu'on en a besoin. Ici, est-ce que j'ai encore de l'eau? Ouais, c'est bon. J'ai plus de jarre. Donc je vais devoir fabriquer un autre morceau. Ah non, je l'ai, pardon. Annulé. Hop là, je l'ai, il est là. Ça je prends. Ça me fait quoi? Donc là j'ai 6 pièges, je vais vous montrer les amis comment on piège, comme ça on récupère des animaux et tout. On prend la lance dans la main et on va s'attaquer. Vous allez simplement vous éloigner et vous allez voir, il y a toutes sortes d'animaux que ça m'arrange pas. Tôt ou tard ça va me poser des problèmes, je casse. Bien. Et tiens. Si je veux, je peux garder... Ah oui, je peux vous montrer encore autre chose aussi, les amis. Par exemple, par rapport à la map, on se trouve ici. Et quand vous allez... vous savez que vous allez voyager et pour tamer... justement des animaux et que vous n'avez pas assez de pièges, et ben vous pouvez poser l'établi n'importe où par ici. Ah, ça y est, je me fais attaquer. Voilà, et là vous pouvez fabriquer tout et n'importe quoi ici sur place. Il n'y a pas besoin de rentrer à la base, hein, d'accord. On va essayer de voir s'il y a encore d'autres animaux. Comme ça je vais fabriquer tout sur place. Ah voilà. Là voilà, tout le monde m'attaque en même temps. Hop là. Voilà. Mais au début c'est facile hein. Pour l'instant. Voilà, je prends tout. Hop. Hop, je prends tout et je continue d'attaquer. Pour l'instant les oies, les plumes, j'ai pas besoin avec les. Mais par contre même le poulet j'en ai pas besoin donc. Ah bah je me fais attaquer, c'est cool. Voilà. Oh. Elle fait pas beaucoup de dégâts hein. Faut absolument que je l'améliore. Voilà. Combien de morceaux j'ai? J'ai 5 morceaux, c'est pas beaucoup, c'est pas assez. On continue l'aventure, on va chercher. Ils vont venir nous attaquer de toutes les manières. Pourquoi tu veux plus avancer là? Ah, c'est pas le bon chemin, je suis en train de me diriger vers la mer. Ah, c'est pas bon. C'est vers le nord qu'il faut y aller.
peu coincé, il va falloir que je me fraye un chemin avec ma hache, que je casse... Ouais, il va falloir que je casse quelque part parce que je peux plus avancer. Ah si, ça le fait. Ah, quelque chose. Ah bah voilà, il va m'attaquer. Voilà, super. Voilà. On récupère, c'est pas beaucoup hein. 6 morceaux seulement, ça va pas chercher loin. Pour fabriquer les vêtements, il en faut beaucoup plus que ça. Tiens. Allez, on récupère encore. On continue l'aventure. Ça commence à boucher un peu. Ouh! Oh my god! Alors, comme je disais, on est un peu parti un peu loin, justement. Je sais pas si je vais fabriquer encore l'établi. Je sais pas où est-ce que je vais la poser, mais on va la poser tôt ou tard. Oh my god, c'est quoi ce rocher là? Oh là là, le temps. Oh là là, un gros. Ouh, c'est quoi ça? Ah non! Non, il faut pas le faire. Donc là, on a une vache. Ah bah tiens, ça tombe bien, on va tamer une vache. Je vais le montrer devant vous, les amis. Touche 5. Touche 5. Ah, ça y est, il nous voit, il nous fuit. J'ai pris un peu de retard. Il est où? Il est là. Non, j'ai raté. Et voilà, on peut rater, les amis, justement. Et voilà, j'en ai perdu 2 déjà, vous voyez, ça consomme, hein. À un moment donné, il va s'arrêter, on va la voir. Mais on n'a jamais les animaux du premier coup. Et voilà. Hey, mince. What the fuck. Ça y est, on l'a apprivoisé tout de suite. Voilà, ça y est, on lui demande de nous suivre et on va lui demander tout de suite de nous fabriquer du lait. À partir de maintenant, il faut demander de fabriquer du lait sans cesse. Parce qu'on en aura besoin. Et regardez les amis, je vais lui demander de me suivre. Donc partout où j'irai, il va me suivre. Regardez, voilà, c'est super marrant. Mais sinon, vous pouvez lui mettre dans l'enclos. Mais pour l'instant, j'ai pas encore fabriqué d'enclos. Alors, pour faire joli, si vous voulez, pour faire joli, vous pouvez faire un bâtiment avec des enclos pour faire joli. Mais sinon, vous pouvez... le bâtiment, il vous sert simplement à fabriquer, à apprivoiser et ramener. Et il vous sert simplement pour vous dire que vous pouvez mettre à hauteur de combien d'animaux. Voilà, tout simplement. Mais sinon, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de le mettre à côté ou dedans pour qu'il soit nourri. D'accord? Bon, ben voilà. Donc, si je veux, je peux faire un enclos, par exemple, ici, hein, tout simplement. Et qui ne... Ah, ça y est, il a donné. Donc là, je vais refaire encore, demander encore. N'importe où, vous pouvez le faire. Allez, on va fabriquer des vêtements cette fois. Explorer les environs. Et c'est là où ça devient aventureux. Ça va nous obliger à nous balader dans toute la map, justement, pour trouver des traces des autres, des gobelins et tout. Donc, on va... je vais faire une dernière chose avec vous. Normalement, on va fabriquer chez le tailleur, si je l'ai déjà mis. Non, j'ai pas encore mis le tailleur. On va fabriquer tout de suite le tailleur, l'atelier de tailleur. Il nous faut 10 cordes. Qu'on va fabriquer ici. 1, 2, voilà. Et on va prendre l'atelier de tailleur qu'on va fabriquer aussi une seule fois. Pas besoin d'en fabriquer plus. Donc je vais le placer ici. Voilà, bien ici. Et à partir de là, je vais récupérer tous mes vêtements. Voilà, le fait de... Le fait de lui dire de nous suivre, ça nous permet de ne pas aller les chercher. Il y en aura toujours. Il y en a toujours à côté de nous. Et même quand je vais en mission,
quand je vais en mission justement d'exploration et je dois me battre, même si je dois me battre contre des hordes, bah, j'emmène toujours une vache avec moi. Comme ça, en cas de pépin, il n'y a pas assez d'endurance. Et ben, je le fais fabriquer sur place. J'ai pas besoin de rentrer à la maison, les amis. C'est vraiment rigolo cette histoire. Allez, on va fabriquer des vêtements et c'est là où vous allez comprendre la différence. Par exemple, santé maximale. Si jamais je fabrique les poignets, on va pas faire les poignets tout de suite. Ah là, vous voyez, pour faire ça, il nous faut de la peau et à la fois du cuir. Donc santé maximale, je vais fabriquer, malheureusement il faut tanner 3 morceaux, là je crois que j'ai pas assez de vêtements du tout. Ouais, j'ai pas assez hein, normalement j'ai pas assez. Je vais chercher du cuir, hein. Je sais pas où j'ai posé. Ah mais il est encore fini, tiens, regardez comment c'est marron, voilà. Continue, fabrique. Parce que quand on partira en mission, on en aura besoin. Allez, j'ai plus du tout. J'ai plus du tout. Là, c'est compliqué. Il va falloir encore chasser. Oula, il a fait caca. Regardez, si vous appuyez sur truc, vous voyez que c'est... Il y a excrément... Je sais pas du tout si ça sert à quelque chose ou si ça va nous nuire. Je n'en ai aucune idée. Bon bah le moulin il sert pas à grand chose hein. C'est juste pour fabriquer à manger la farine et tout. Pour l'instant on n'en a pas besoin. On a besoin juste de fabriquer des vêtements pour partir. Et là malheureusement on va choisir quelque chose qui nous... Bah tiens, on va prendre des bottes, santé maximale. Par contre, il faut fabriquer des boutons. Donc les boutons, ça se fait à partir du bois. Voilà. Ah, il nous faut le couteau. Voilà. Enfin, un bouton, je pense que ça va le faire. Puisqu'on a pas mal de choses à fabriquer. Ici, on a besoin de... On a besoin de 9 boutons. Waouh. 4 boutons ici. 4 boutons ça fait 8, 6 ça fait 14. D'accord, là j'en ai 19, 21. Ah oui, il faut aussi des cordes. Allez, c'est parti pour les cordes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Décidément, c'est une consommation. Ça y est, j'ai les 21 boutons. Je vais essayer de fabriquer pour voir si c'est faisable. Non, il manque toujours des cordes. Voilà. Alors, est-ce qu'il fabrique les deux en même temps? Non, c'est l'un après l'autre, c'est pas les deux en même temps. Donc, il doit finir d'abord la quantité de cordes que j'avais demandé. Est-ce que c'est terminé bientôt? 4, il reste. J'avais fait une nouvelle mise à jour, les amis. Maintenant, on voit plus du tout les marquages. Ça aussi, c'est un peu gênant. Ça y est, je commence à m'habituer. Il suffit juste de connaître le jeu et il n'y a plus besoin de chercher. Ah, ça y est, j'ai une paire de bottes, les amis, je crois. Non ? Ou c'est en cours de construction ? Ah non, c'est en cours de construction. Ok, je récupère le couteau. Ça, je récupère et je mets tout de suite ici. Voilà. Regardez, elle les a portées là, sur elle. Voilà. Et maintenant, je peux fabriquer... Ah mince, j'ai plus de cuir. Voilà, c'est ça le problème. Oh, 2 cuir, vous vous rendez compte? Allez, on va le fabriquer quand même. C'est très joli à voir, vous allez comprendre. Voilà, 2 cuir. On va économiser et on va chasser. On va se promener au prochain épisode ensemble, les amis. On va très très loin d'ici et on va aller chasser. Ça y est, j'ai mon cuir. Je fabrique les poignets en cuir. Ça va faire joli. Et ensuite, je vais les porter. Qu'est-ce qu'il manque? Ah, le couteau encore. Décidément. Voilà. On va laisser les graines à la maison. Et on va partir en exploration. Dans l'immédiat, les amis,
Vous devez à tout prix fabriquer des vêtements et tout, parce que ça vous fait augmenter vos compétences. Regardez, par exemple, si je prends une veste, j'augmente. Si je prends une capuce, j'augmente aussi. Si je prends ça, ça augmente aussi la santé. Ça va. J'ai réussi à atteindre 101 de santé et ici 96 en stamina. C'est pas négligeable parce que quand vous partirez en combat et que vous vous battez contre des hordes, les 50 ça va descendre très très vite. Vous allez devoir prendre la fuite. Vous ne pourrez pas le faire longtemps. Alors là, on a le choix de prendre entre le pantalon, ça nous permet d'augmenter à la fois santé et endurance. Et si on prend que le pantalon en cuir, du coup, plus joli et plus sexy, bah vous aurez la santé maximale, mais vous n'aurez pas la stamina. Alors, si je peux me permettre, selon moi, je pense que c'est mieux d'avoir la stamina, parce que quand on frappe, on dépense énormément de stamina. Si on se défend bien, on devrait s'en sortir. Voilà, c'est pas très joli. J'aime pas le pantalon, mais je vais devoir le faire. Ah bah, j'ai plus rien à faire. Ça y est, j'en peux plus. J'ai plus rien. Donc là, c'est plus possible. Les sandales, peut-être. Les sandales, ça permet 5%. Et bah, on va faire les sandales. Allez, c'est parti. Il manque cuir. Allez, c'est parti. Les deux derniers morceaux, voilà. Et on va chercher ici. Et on va lui demander encore de nous fournir. J'ai pas encore trouvé la canne à sucre, les amis. Le premier épisode, j'ai pas réussi à trouver. C'est dommage hein, qu'on peut pas voir le personnage plus près encore comme dans les autres jeux. C'est très très dommage. En fait, j'ai envie de l'avoir belle et je pense que je vais fabriquer l'autre pièce et non pas le pantalon. C'est vraiment pas très joli. C'est ça que je vais fabriquer. Donc là, on va prendre des chaussures comme elle est... Ah mais non, j'ai des bottes déjà. Oh, il arrête pas de chier, les mecs. Bon bah, voilà. C'est pas grave. Au prochain épisode, les amis, je vais... au prochain épisode, je vais farmer un petit peu l'eau et tout à l'avance avant d'ouvrir... avant de commencer l'enregistrement, parce que l'eau et tout, hein, c'est franchement... C'est pas intéressant. Voilà, c'est parti. On fait du lin. On fait du lin à gogo. Ça nous permet d'avoir beaucoup de cordes et à la fois de la nourriture pour les enfants, pour les... Regardez, si vous cliquez sur l'animal, vous allez voir que pour le nourrir, il lui faut soit du blé ou soit... Il y a d'autres animaux, je crois qu'ils mangent du lin, je ne m'en rappelle plus. Peu importe, je récupère tout ça. On arrête la plantation de pommes de terre. Non, je vais quand même planter, je prends pas de risque. Voilà. Comme ça, il y aura toujours un... Oh my god, il me saoule. Pomme de terre. Voilà, c'est bon. Je sais pas du tout si c'est les excréments posent problème. Mais il y en a vraiment beaucoup. Ils vous chient partout. Voilà. J'ai plus rien pour le faire. On va le laisser partir, hein. Il va où il veut, il restera dans les environs. Bah voilà, hein, je crois que j'ai fini pour le tuto, j'espère que ça vous a aidé jusque là. Dans l'autre partie, on va aller en exploration et on va récupérer un maximum de vêtements. Ensuite, de cuir, on revient à la maison pour fabriquer les vêtements. Et ensuite, on partira à la chasse et à l'attaque pour finir le tuto. Je pense qu'en deux fois, je peux le... Oh, j'ai plein de compétences, voilà.
Compétence, on peut l'augmenter à chaque fois une seule fois. Voilà, l'endurance. Le blocage, ça c'est hyper important. Voilà, les trois pour le combat. J'ai fait. Les flèches, on s'en fout. La faune, peut-être que je vais le faire. Pour attraper les animaux, est-ce que j'en fais une? On va en fabriquer une pour voir. Ah non. Ah, j'ai laissé le couteau. Il est où? Voilà, la fronde. On a dit la fronde. Je vais tenter pour... Ah, encore? Je vais tenter avec la fronde pour savoir si je peux attraper des animaux avec ou pas. Si c'est le cas, c'est même pas la peine de fabriquer des cordes. Pourquoi s'embêter avec ça? C'est bon? Ok, très bien. Ah bah du coup, je peux plus garder sur moi. Ah, on peut placer ici. Ah, c'est génial ça. Ah oui, ça nous fait un emplacement en plus. Et bah voilà, vous aurez appris quelque chose de plus. Et bien. Bon bah voilà, on va arrêter là pour le tuto. Pour le premier tuto, les amis, il y a de la merde partout. J'espère que ça vous a plu, hein. Pensez à liker et à vous abonner. Et on se revoit très vite pour le prochain épisode. D'accord les amis, bisous à tous. Ciao, ciao, bye bye.